Sur la chaîne Glitch Fun. Donc comme il est dit le titre, les potos, je vais vous montrer le braquage en illimité. Donc il va falloir un petit peu de préparation, donc vous allez faire les missions de préparation. Ce qui sera bien, ça sera que vous ayez deux potes qui aient les préparations faites. Comme ça vous le relancez en illimité et tout le monde gagnera de l'argent sur les 4 joueurs. Allez, c'est parti. Donc c'est le glitch Pacific Standard. Vous allez le mettre en mode difficile. Il va vous falloir la FB400. C'est une moto. On va en avoir besoin pour sauter et récupérer l'hélicoptère. Et on va récupérer une voiture et on va la mettre devant la banque. Donc vous mettez 4 amis. Vous partagez l'argent. L'autre, celui qui lance le braquage, il se met 0. Parce que moi, je vais quitter le braquage après. Pour pas le perdre. C'est comme ça qu'il sera en illimité. Donc n'oubliez pas de le mettre en mode difficile et de récupérer cette moto, la FB400. Donc elle coûte pas cher, hein. Je crois qu'elle coûte dans les 10 000. Vous l'achetez, vous la mettez en garage et au moment du braquage, vous la sortez. Donc là, je vais vous montrer moi l'hélicoptère et mes amis, ils vont faire la même méthode avec la voiture. Donc ils vont prendre une voiture de PNJ, ils vont aller devant leur garage, ils descendent du véhicule, ils rentrent dans son garage. Et il ressort. Et pour pas que la voiture elle disparaisse, parce que ça arrive, il va falloir qu'un deuxième braqueur il surveille le véhicule pendant que l'autre fait cette méthode. Pour l'hélicoptère, il n'y aura pas besoin. Il faudra juste rentrer à pied dans son garage et ressortir. Donc vous verrez ce que je vais faire. C'est pareil pour la voiture, sauf que quelqu'un doit la regarder ou sinon elle despawn. Par rapport au glitch, ils ont patché un peu les véhicules de PNJ qui disparaissent très vite. Voilà, donc vous pouvez gagner 850 000 maximum, donc vous pourrez mettre maximum 70% à un joueur. Donc, suivant s'il y a des joueurs riches, quelques pauvres, vous mettez 70%, comme ça ils gagnent un maximum. Voilà les potos. Abonnez-vous, c'est pas fait, un petit pouce, ça fait plaisir. Partagez la vidéo. Invitez-moi aussi. Donc moi c'est Fouedi134. Vous avez mon game tag dans la description. Vous m'invitez sur PS4 et vous m'écrivez un petit message pour le braquage sur la PS4. Vous me dites braquage. Invite-moi au braquage, s'il te plaît. Et là, je vais vous inviter dans PS Message et je vais inviter beaucoup de gens. Comme ça, vous ferez des braquages aussi entre vous. Donc, tous ceux qui veulent faire les braquages, je vais vous rassembler. Comme ça, vous aurez toujours un joueur qui veut faire des préparations ou le glitch final. Et petit à petit, vous faites des équipes et vous rassemblez, vous invitez un ami et tout. D'accord, les gars? Ça sera fait pour ça, comme avant. C'est reparti. Donc là, de temps en temps, je vais faire des lives du braquage et on invitera des abonnés à faire le braquage avec nous. Comme ça on fera gagner de l'argent. Ça marche, ce sera de bon cœur. Donc mes amis, ils nous aideront. Il faudra qu'on soit 4 et on pourra inviter 2 abonnés et on leur donnera 50 et 50. Voilà les potos. Donc là c'est simple, moi je suis l'hôte, je vais mettre 0. Le pirate, il prend tout l'argent. Il va prendre les 1 250 000 et il sortira pas de la banque. D'accord? Donc lui, on va lui mettre 70% parce que lui, on a de l'argent. Donc on lui donne le maximum. C'est un level 3, il a besoin d'argent. On va lui donner. Vous voyez, il va gagner 875 000. Et après, vous pouvez partager le reste. Vous ne pouvez pas mettre plus de 70% à un joueur. Donc moi je vais faire sauvegarder l'hélicoptère
Je vais sortir de la banque, je prendrai le véhicule, je vais faire le chemin jusqu'au moto. Je vais essayer de faire le maximum dans ce braquage pour tout vous montrer. Mais bon, après les postes, ils peuvent être modifiés. Tant que le pirate qui a l'argent, il sort pas de la banque, tout le monde peut faire tout. Allez, c'est parti les gars. Donc moi je vous conseille, vous voyez la tenue qu'on a, la tenue que j'ai moi, c'est une tenue lourde. Ça vous empêchera de mourir bêtement. Ça veut dire que ça vous met presque le double de capacité de vie. Donc il vous faut vous l'acheter cette tenue dans le magasin d'habits. Vous allez au comptoir et vous verrez dans les tenues lourdes celle-là, celle qui a les genouillères. Vous n'avez pas une autre, elles sont moins performantes. Et si vous pouvez, faites comme papy, mettez un casque. Ça évite de se prendre une balle dans la tête. Et ces tenues, elles vous protégeront que dans les missions. Donc même mission Titan, tout ça, si vous avez ça, vous allez courir moins vite et vous allez être protégé. Presque double. Donc vous voyez, j'ai pris la FB400. Et avant aussi, dans les paramètres, j'ai mis difficile et tenue de joueur. Comme ça, vous pouvez mettre cette tenue lourde. Vous aurez sauvegardé dans vos vêtements. Faites-le, c'est important. Si vous voulez faire vraiment des braquages illimités, plein de fois et de qualité, faites comme ça. Allez, c'est parti les gars. Eux, ils vont voler un véhicule de PNJ et moi, je vais prendre ma FB400 et je vais vous montrer l'hélicoptère. Donc aussi, pour ceux qui n'arrivent pas à faire spawn l'hélicoptère, c'est normal, pas tout le monde a l'hélicoptère. Il vous faudra Franklin, Trevor, Michael en mode histoire débloqué. Et tant que vous l'avez pas, continuez les missions du mode histoire. Et à un moment, ça va vous débloquer votre hélicoptère dans votre braquage. Tout le monde pourra avoir l'hélicoptère si vous faites vos trois joueurs du mode histoire. Donc ça, c'est un collègue qui me l'a dit, il a fait test sur deux comptes et ça fonctionne très bien. Une fois que vous avez vos trois joueurs, c'est ok. Faire le braquage et récupérer l'hélicoptère tout seul. Donc la méthode elle est simple, l'hélicoptère c'est pas loin du braquage de Lester, vous savez son lieu là de spawn. Lester, il y a une custom et il y a le commissariat à côté. Allez, c'est parti. Les gars, dans la description, vous avez pour rejoindre le crew ADH. Donc vous aurez fumée patriotique, couleur de crew noir, brillant. Et rejoignez-nous. Voilà, vous êtes les bienvenus dans le crew. C'est parti, là je fais un petit cabrage, boum, je monte là-dessus. Bon, ce coup-ci, elle a pas spawn, parce que j'ai pas pris le bon chemin. Donc je verrai quand une fois, j'ai un peu déconné. Donc si ça vient pas, il vous faut rouler tranquille, comme ça le permet de spawn. Là je le fais trop vite, et l'hélicoptère il apparaît pas. Attends, moi j'ai droit à l'hélicoptère, je sais que je le fais apparaître. Et là il a pas apparu. Logiquement, vous le faites apparaître du premier coup. Là, je roule trop vite pour le faire apparaître. Et après, je vais vous montrer où le faire spawn facilement sans rouler vite. Donc là, vous voyez, il n'y a toujours pas. Normalement, vous le trouvez du premier coup, hein. De rouler doucement, faire des petits cas.
cabrages, des petits freinages. Ça nous permet d'apparaître. Ça y est, ouais, on est là. Et maintenant, on récupère l'hélico et on va le sauvegarder. Donc là, je vais aller dans un de mes garages. Je vais descendre de l'hélicoptère. Il faudra que je rentre et que je sorte de mon garage. Vous garez assez près du garage. Il suffit de rentrer et de ressortir. Donc vous faites pareil avec le véhicule, sauf qu'il y a un collègue qui va surveiller le véhicule de PNJ. Sinon vous risquez de le perdre. Et au bout de 2-3, ça vous annule le braquage. Et là, vous reprenez l'hélicoptère et vous l'amenez aux motos du braquage. Là, j'ai demandé aussi à un ami du braquage de venir me chercher un véhicule parce que moi je vais me retrouver à pied une fois que j'ai sauvegardé le véhicule. Je vais me retrouver à pied, au moins on gagne du temps. Il me récupère en voiture et on va aller au braquage. Donc le véhicule, il est à droite de la porte de la banque, collé au mur, et il nous attend pour quand on va ressortir avec l'argent. Donc en fait on va pas ressortir avec l'argent, c'est moi qui vais partir aux motos, faire péter les motos. Donc là vous voyez là-bas en face, vous voyez la voiture de PNJ là qui est sur le trottoir. C'est nous, l'ami, ils l'ont sauvegardé et on va la, je vais la récupérer après pour partir aux motos rapidement sans me faire tuer. Allez, c'est parti. Donc pour contrôler la foule, il va vous falloir un RPG. Si vous l'avez pas, ben il va falloir tirer dans les vitres et contrôler la jauge en bas jaune de foule. Sinon, vous allez avoir beaucoup plus de police que prévu. Bon, ça n'empêchera pas de ramener l'argent, mais vous risquez de perdre de la vie et de rater votre braquage. C'est pas le but. Si vous gardez le RPG comme moi,
vous aurez la foule, full maximum tout le temps. Vous n'avez même pas besoin de tirer. C'est une petite astuce en plus, autant l'utiliser. Si vous avez votre level 120, ben, vous aurez le droit à ce temps. Donc le pirate, il va ouvrir les portes, il prend l'argent. Il prend tout l'argent. Ne partagez pas à deux joueurs, c'est que le pirate qui prend l'argent. Parce que le pirate, il n'est pas obligé de sortir de la banque. Si c'est le démolisseur qui prend l'argent, il va falloir qu'il sorte et qu'il rentre de la banque avant que moi je pars au moto. Ou sinon, ça va faire rater le braquage. Donc laissez l'argent au pirate. Là, ils sont en train de nettoyer en bas, ils ouvrent les portes, le pirate, il pirate le mur et récupère l'argent. Et on se rejoint au point jaune de la sortie. Il prend l'argent, il va tout prendre. C'est parti, le pirate il va rester derrière le mur, moi je prends le véhicule et je vais au moto. Donc là vous voyez, si j'ai pas la tenue lourde, vous risquez là de vous prendre un coup de fusil à pompe. Appuyez sur X quand vous conduisez, ça vous baisse la tête. Moi, comme je suis en tenue lourde, je risque rien. Je peux pas mourir là. Vous voyez, l'hélicoptère, il est toujours là. Donc là, maintenant, on va aller aux motos. On va faire exploser les motos. Et on va vérifier que le point bleu est disparu. Après, on se suicide. Donc là, le point bleu a disparu. Je me suicide. Et on va faire réapparaître le pirate avec l'argent ici.
Vous avez vu la capacité de un missile, je suis pas mort. Cette tenue, elle est terrible. Je vous la conseille. Allez, c'est parti. Donc là, avant de prendre l'hélicoptère, vous pétez les motos. Partez pas sans avoir pété les motos. Ça va vous faire annuler le braquage. Ensuite, vous prenez l'hélicoptère tous ensemble et go. On va vous montrer le chemin pour prendre les points. Donc récupérez les points de la fin avant le bateau. Comme ça, vous n'aurez pas de flic pour finir le glitch. Allez, c'est parti. Donc là, on se dirige vers les montagnes. Et vous allez voir, repérez bien le chemin que je vais prendre. Pour enlever les points, vous allez gagner vachement de temps. Vous prenez moins de risques de vous prendre des balles. C'est très rapide. Donc les gars, moi avant je faisais le mode élite comme ça. Ça marche plus. Bientôt je vous ferai la vidéo avec le mode élite. D'accord les potos? Donc là, vous voyez, vous passez sous le pont là, vous serrez sur la droite. Vous voyez, les points petit à petit disparaissent. Et il n'y aura que ce point là, le point jaune sur la droite, qu'il va falloir y aller. C'est le point jaune du saut de moto. Donc celui-là, vous y allez, vous allez un peu en rase-motte assez bas en altitude. Dès qu'on l'a fait, on redescend et on rase un peu le sol. Et vous aurez plus de police et on pourra finir le glitch calmement. Donc n'oubliez pas ces points, ils sont très importants. Parce que sinon vous allez vous faire tirer dessus dans le bateau, un peu partout et vous allez perdre 30-40 000 bêtement. C'est pas le but. Là on va garder les 1 250 000 jusqu'à la fin les gars. Donc là, vous voyez là, le glitch il est fini. Il y a juste encore une petite manip à faire pour celui qui a lancé le braquage. Donc vous le verrez jusqu'à la fin. Donc déjà, celui qui est haute, il va pas conduire le bateau. Celui qui conduit le bateau, il va conduire tranquille. Parce que sinon, vous allez perdre le bateau et c'est fini le glitch. Vous n'aurez plus d'hélicoptère. Là, vous voyez comment il fait, il va tout droit, il serre comme ça à gauche sur le pont et vous voyez le point jaune, il va à un moment il va être invisible. Dès qu'il est invisible, vous fermez l'application. Là je vais relancer mon jeu et je spam L1 R1, obligatoire L1 R1, on refait un recalibrage. Si jamais vous y pensez pas, que vous avez oublié,
Ne revenez pas en mode online sans avoir fait ça. Ou sinon, vous risquez de perdre votre braquage. Ça peut peut-être marcher 100, une fois, deux fois, la troisième, vous l'avez plus. Donc vous recalibrez obligatoirement à chaque fois. Ça ne vous coûte rien et vous ne perdez pas votre braquage. Et c'est là qu'il sera vraiment illimité. Donc là, vous voyez, j'ai spammé L1, R1. Encore. Toujours. Dès que vous voyez la femme, vous spammez L1, R1. Et là, boum, recalibrage, la luminosité. Vous mettez ça à fond. Vous retournez en mode histoire. Et après, vous irez en ligne. Il vous faudra cocher une case. Et là, c'est bon. Vous verrez que votre braquage, vous l'aurez encore. Et vous pourrez le relancer pour vos amis. Si ce n'est pas un autre ami qui le lance pour vous. En tout cas les gars, merci de votre soutien, j'espère que vous allez vous entraider les gars. Mettez votre nom de joueur aussi, votre support de console dans les commentaires, invitez-vous les potos, c'est fait pour ça. On est sur un jeu, c'est GTA 5 Online, c'est là où on doit avoir beaucoup d'amis pour faire des glitches, pour faire les bugs comme là, du braquage. Ça sert à rien de rester solo les gars, c'est un plaisir. Ok les potos, donc là je vous dis à très vite pour les lives braco.